Les membres du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social, RDPS, ont commis ensemble la paroisse Saint-Christophe de Mauveau dans le deuxième arrondissement de Pointe-Noire le dimanche 23 juin 2019 pour se souvenir de leur président fondateur Jean-Pierre Tisterti Kaya, éminent professeur d'histoire et politicien décédé en 2008 à Paris à l'âge de 72 ans. Celui-là même qui avait un franc-parler et une grande vision du parti dont le logotype est la colombe bénie, exprimée en villi en termes « les bembes, les sémons ». Sa vision du peuple et du pays avait aussi atteint un niveau évolué. Cette messe d'action de grâce a été dite par l'abbé Eugène Makousso. La vie éternelle, c'est pas après la mort, c'est ici maintenant. Maintenant, c'est une vie éternelle à entretenir. Ensuite, la délégation s'est rendue au siège du parti où une adresse a été faite par son secrétaire général Julien Makouditi Binda aux membres et militants. Il a indiqué que cette commémoration est une occasion pour rappeler que le président Jean-Pierre Tisterti Kaya n'est pas mort puisqu'il continue à vivre en eux par ses actes. Actes qu'il faudra s'approprier et préserver pour la bonne marche du parti. Le président Jean-Pierre Tisterti Kaya nous avait fait traverser un palier. Il fallait débattre au sein du parti. Débattre pour des projets dont l'unique objectif était le développement du pays. En ce jour de mémoire, en ce jour du souvenir, retrouvons les fondamentaux, retrouvons les bases qui ont forgé notre parti. C'est un moment d'introspection, j'allais dire, parce que je crois que le parti est à une période croisière, un moment important de son développement. Regardons vers les instructions que nous avons reçues, aussi bien du président fondateur Jean-Pierre Tisterti Kaya que de ses compagnons qui étaient aussi des pères fondateurs, des cofondateurs du parti. Je voudrais qu'au sortir d'ici, que chacun d'entre vous se remémore la mission fondamentale qui est la sienne, qui est la nôtre, à savoir conduire le parti vers des lendemains meilleurs, conduire le parti vers de bonnes destinées, sortir s'il vous plaît des commérages, sortir s'il vous plaît des chemins qui n'ont pour issue que de sacrifier les militants, de sacrifier les cadres, de condamner les femmes à l'échec, de ne pas donner d'issue aux jeunes. Voilà le message que je voulais vous apporter ce jour. Rappelons tout de même que Jean-Pierre Tisterti Kaya est décédé le 20 juin 2008 à Paris et il a été enterré à Pointe-Noire.